Hey, salut! Comment allez-vous? Moi, ça va super, les gars. Je suis hyper heureux de vous proposer du Black Ops 3. Ça fait 3 semaines que j'avais promis la vidéo, mais c'est vrai que comme j'étais un tout petit peu malade, j'avouerai que j'ai pas pris. J'ai préféré attendre un petit peu d'avoir une voix un peu plus correcte pour pouvoir stream. Donc, du coup, j'espère que ça vous fera plaisir, les gars. On est sur Black Ops 3. J'espère vraiment, vraiment que ça vous fera plaisir. En tout cas, on se retrouve pour un énorme gameplay. Vraiment, les gars, bombardez les pouces. J'ai vraiment kiffé faire ce gameplay et j'espère que vous allez kiffer vraiment à regarder ce gameplay. C'est un très très bon massacre avec la petite nucléaire. Vous allez voir à quel point, quand je l'ai débloqué, mais en tout cas, j'étais hyper hyper heureux de jouer ce gameplay. Ça m'a fait vraiment hyper plaisir de jouer ce gameplay et j'espère que ça vous fera autant plaisir de le regarder. Et donc voilà, n'oubliez pas le petit like, là je le dis maintenant au début de la vidéo. Les gars, n'oubliez pas le petit like, vraiment c'est du Black Ops 3, donc j'espère vraiment que ça vous fait plaisir. Et en plus de ça, c'est pas juste une nucléaire, c'est pas juste du gameplay sur Black Ops 3. Donc on était sur la nouvelle map, je me rappelle plus très bien du nom, mais vous avez vu, c'est la dernière map qui a été disponible. Parce que pour ceux qui ont tout en jeu la bêta, ou même pour ceux qui se sont informés sur la bêta, on a eu 3 maps, et ensuite on a eu des mises à jour. Pas mal de mises à jour pour régler pas mal de choses et ils nous ont rajouté une map juste après, ce qui était celle-ci, la map dans la neige, Storm, je ne sais plus. Bref, vous avez vu comment je monte bien sur les murs, j'avais pris le gameplay de ouf en main, il me manque ce gameplay. Bref, en tout cas les gars, on se trouve pour une vidéo, donc une très très bonne partie comme je viens de le dire. Mais en plus de ça, je vais vous donner des conseils parce que j'ai fait pas mal de nucléaire sur ce Black Ops 3. Et je vais vous donner la classe parfaite, comme tous les ans, comme toutes les années sur Call of. Je vous donne tout le temps ma classe, ma meilleure classe. Je l'avais donnée à partir de Modern 3, il me semble, à partir de Modern 3. Où j'avais pas fait une vidéo spéciale genre classe parfaite pour Modern Warfare 3, pour faire des Moab. Mais j'en avais fait, j'avais fait pas mal de gameplay et dedans je vous conseille ma classe. Je disais tout le temps ma classe sur Black Ops 3, sur Modern Warfare 3, pardon. Et je vous donnais les meilleures classes sur Black Ops 3. J'ai vraiment donné la meilleure sur Ghost et la meilleure sur Advanced Warfare. Donc je vous mettrai certainement les liens en annotation. Donc cliquez dessus pour ceux qui veulent voir la meilleure classe sur Black Ops 2, Black Ops 3, j'en étais où, Ghost. Et je vais taper sur mon micro de Ghost et Advanced Warfare. Donc je vous mets les liens. Et on va tout de suite commencer parce que là j'ai fait un petit peu de temps. Vous voyez voir que là normalement je commence à serrer maintenant. Non, je ne commence pas encore bientôt. Je vais vous le mettre le moment où je commence à serrer. J'étais vert quand j'ai commencé. Le début de la série, juste avant, j'étais vert. Ça, j'ai failli faire la douleur dans cette game. Vous allez voir ça. Et du coup, ouais, on va tout de suite commencer par l'arme qu'il faut absolument utiliser. C'est vraiment sur ce jeu. Bon, il y a la M8, mais sur ce jeu, les SMG font légèrement leur retour et ça fait plaisir parce que ça fait 2 ans vraiment qu'on a eu des jeux basés plus ou moins sur l'AR, à part Ghost, ouais, ça pouvait aller Ghost, mais vraiment les jeux étaient beaucoup AR. Après, c'est caché. Comment il s'appelle ce petit Advanced Warfare. L'AR sur Advanced Warfare, ça fait tout. J'ai bien kiffé ce moment aussi. Vous allez voir ça, là je me prends des explosions, c'est magnifique quand on met la scène au ralenti, on va pas la mettre au ralenti mais c'est très joli. Donc du coup ouais les gars, je vous conseille les SMG sur ce jeu, j'ai joué avec tous les SMG, on a la VMP, la K, la Kuda, la Razorback. La Razorback c'est la meilleure, pour ceux qui ont utilisé la Razorback, putain, hyper kiffante à utiliser, vraiment c'est le feu cette arme. Je vous la conseille, la Kuda aussi était vraiment géniale. Mais vraiment les gars, jouer SMG, c'est vraiment une classe plus SMG que je vous propose, même si elle peut être utilisable avec la... Là je vous laisse ce moment, oh, j'étais dégoûté. Non, je mets le coup de poing de marqueur, non à 20-0 je mets un coup de poing de marqueur. Je sais plus à combien j'étais, j'étais vraiment dégoûté de ce moment, vraiment. Si vous voulez repasser la scène les gars, je vous laisse faire précédent, je mets 2 couteaux. Deux gros couteaux sur le mec, j'enchaîne les couteaux, je suis content d'avoir ce couteau, j'ai envie d'enchaîner, je spam encore la touche pour cuter, je spam rond et je me fais tuer. Juste avant ça passe et après ça passe, ouais, j'ai pas compris pourquoi. J'étais vraiment dégoûté, j'étais, je crois que je l'ai dit dans la vidéo, mais je devais être pas très loin de la série de 20, donc j'ai vraiment raté la double DNA de peu et là j'ai ma double médaille nucléaire, et là c'est vraiment la série qui commence, je vous laisse apprécier la série. Et du coup, les accessoires, vraiment les mieux. Bon, actuellement, les balles, comme vous pouvez voir, les munitions des armes sont toutes à 30 munitions dans le chargeur. Les chargeurs, que ce soit AR, que ce soit SMG, la plupart, à part
Bon, à part la P90, je sais plus comment tu l'appelles, mais la P90 qui a plus de balles, toutes les armes sont quasiment à 30 munitions, que ça soit la Kuda, toutes les SMG sont à 30 munitions, les AR sont à 30 munitions. Vous avez pu le remarquer pour ceux qui ont été assez attentifs sur ce sujet. Toutes les armes étaient à 30 munitions quasiment, et du coup, ça m'étonnerait beaucoup qu'ils fassent un code avec 30 munitions, de sorte que les armes, c'est quasiment improbable et impossible. Je pense qu'ils vont mettre peut-être 35 dans certains, 40 dans d'autres, comme la CM1, peut-être qu'elle va en avoir 40 à Kuda. Comme, enfin 45 la Kuda, comme la CM1, comment ça s'appelle, la KM5, la 40 munitions, ça se trouve, la Kuda va en avoir 40. On verra bien ça, mais pour le moment, j'étais un petit peu dégoûté, donc il fallait quasiment mettre un chariot grande cape. Mais là, je vous conseille vraiment la classe parfaite sur Black Ops 3 actuellement, avec tout ce qu'on a eu sur la bêta. Donc si on reporte ça sur le jeu de base. Donc, vraiment, la poignargo, j'ai mis quoi que poignargo et le dernier canon. C'est canon qu'il faut. Je suis encore mort, putain, j'étais dégoûté. Et canon long, les gars. Canon et poignée ergonomique, c'est vraiment ce qu'il y avait de mieux. C'était le feu, cette classe, je vous assure, les gars. Je devais avoir une moyenne de 3 de ratio sur ce jeu, tellement je gérais mes frags de ouf. C'était un pur bonheur, un pur kiff. Là, vous pouvez voir, je vais mettre la quad. Je vois un tout petit, hein. Je ne sais pas ce que j'ai mis, mais je vais mettre la quad, vraiment. C'était le feu. J'ai trop hâte de ce jeu, vraiment. J'ai trop hâte. Il sort dans moins d'un mois. C'est pour ça que je fais cette vidéo maintenant. Je sais que la plupart des gens ils pensent beaucoup à Black Ops 3, que j'ai plus de balles. Oh mon dieu, je me fais encore tuer, mais quand je vais la faire cette nucléaire, je sais pas si j'ai déjà sorti ou pas. Bref, vraiment j'ai vraiment le hâte de l'avoir. Et j'en étais, je ne sais plus où j'en étais. Oh merde, j'en étais où? Je viens de zapper ce que je faisais. Ah oui, du coup vraiment la Kuda, etc. On va voir les munitions qu'ils ont et je vous vous conseiller les petits atouts, si je les retrouve, les atouts, je les ai mis ici. Et les atouts qu'il faut sur la SMG pour faire la DNA, vraiment, je vous les conseille. C'est vraiment fantôme déjà, vraiment fantôme en atout, hein, c'est obligatoire. Vous savez que fantôme, c'est pour éviter les drones, c'est pour éviter tout ça, et sur ce jeu, ça ne change pas, il faut toujours mettre fantôme parce qu'il y a beaucoup de drones. C'est vrai que les drones restent pas longtemps, ouais, je vais pas se mentir, les drones ne restent pas longtemps, mais mettre l'anti-drone, du coup, fantôme, assassin, fantôme, voilà, vous savez tout ce que c'est. Mettez-le, surtout que sur ce jeu, sur les Black Ops, j'aime fantôme. Pourquoi? Parce que quand tu te déplaces pas, tu es visible sur la carte. Quand tu campes, tu es visible sur la carte. Quand tu te déplaces pas, en fait, tu es visible sur la carte par le drone. Et ça, c'est bien foutu. Donc vraiment, mettez fantôme, les gars, parce que il va pleuvoir des drones comme d'habitude. Vu que c'est le plus faible qui strike, celui qui se débloque au bout de... avant, c'était 2 kills. Maintenant, je ne sais même plus. Ça doit être 4 kills, 3 kills, 3-4 kills sur Black Ops. Mais il reste pas très longtemps. Mais mettez-le quand même, fantôme. C'est l'atout primordial pour faire sa nucléaire, sa DNA sans problème. Et ensuite, la deuxième chose que je mettais, c'était le truc pour que ton exo recharge plus. Je crois que c'est surcharge. Surcharge ou surcharge. Non, c'était surcharge. Je ne sais pas. J'ai pas le nom face de moi parce que je peux pas allumer la bêta tout simplement pour voir les noms que j'ai mis. Mais c'était surcharge. Ton spécialiste recharge bien plus vite. Et surtout, moi en l'occurrence, avec le spécialiste que j'en ai vraiment beaucoup besoin. Et du coup, je vous le conseille, c'est cet atout surcharge. Voilà, c'est pour ça que je vous conseille ces deux atouts d'un toit. Et ensuite, en atout 2, je vous en conseillerais qu'un. C'est comme d'habitude le pillard que t'es obligé d'avoir. Hein, vraiment, si tu mets en plus une arme avec 3 accessoires et tout, t'es obligé de mettre pillard pour faire ta dana. Tu vas ramasser une arme avec un viseur laser et un chargeur grande cape, il va rien te servir. Vraiment rien. Moi aussi, c'est bien de la prendre, tu la prends comme ça au moins. T'as une arme de secours, mais c'est vraiment si tu trouves pas de pillard, etc. Mais vraiment, le pillard, c'est vraiment un atout primordial, comme sur tous les codes. Sur les Modern Warfare et les Ghosts, il fallait les mettre plutôt en spécialiste, hein, parce que t'avais le spécialiste. Là, tu l'as pas, donc forcément, tu dois le mettre de base. Eh oui, mon grand. Et ensuite, donc vraiment, l'atout qu'il faut, c'est écoute. Parce que les bruits de pas, le son est bien foutu, mais avec écoute. Tu les entends très très bien, tu les entends, c'est idéal. Vraiment avec écoute, tu joues aucun casque, tu mets écoute, t'es posé. Bon, c'est pas abusé du tout, hein, c'est vraiment pas abusé, tu les entends pas comme sur Ghost. Pas du tout comme sur Ghost, mais tu les entends très très bien. Et du coup, si t'es un brain minimum, si tu sais jouer un minimum,
mais écoute, parce que écoute, ça va te servir de ouf. Donc vraiment, mais écoute en multijoueur, il n'y a pas d'atout qui servent plus en atout 3 que écoute. Voilà, donc mettez écoute. Et le dernier atout que je vais vous conseiller, c'est l'atout anti-stun. C'est masque tactique. Parce que oui, après sur le jeu, on sait pas. Pour le moment, on sait pas ce qu'il va falloir mettre. Il me semblait qu'en atout 1, c'était anti-grenade et gilet pare-balles en atout 1 et en atout 3. De toute façon, tu pourras pas mettre gilet pare-balles. Les deux atouts que je t'ai donné, c'est les primordiaux. Après, tu peux enlever surcharge. Ouais, ok, d'accord. Faut voir. Mais bon. Là, vraiment, l'atout qui a fallu, d'après ce que j'ai pu voir, c'est vraiment anti-flash, parce que tout le monde mettait deux flashs. Tout le monde mettait viseur laser, parce que le viseur laser vaut moins un point. Écoute, il a un... En fait, oui, il a une place moins chère, le... Je vais découper quoi. Petit Mickey de MP chier. Et du coup, vraiment, anti-flash, les gars, c'est important pour l'instant sur ce jeu. Parce que quand tu te fais flash, c'est abusé. Tout le monde l'a vu, hein. T'es flashé, t'es un homme paralysé, tu perds tes bras. C'est pas genre t'es flashé, tu vois plus rien, c'est tu perds tes bras, tu peux plus rien faire. T'es un homme mort si tu mets pas l'anti-flash. Et ensuite, en spécialiste, je vais vous conseiller bien évidemment, comme tout le monde, pour faire sa petite nucléaire, c'est l'exo pour revivre, là, pas l'exo pour revivre, mais le spécialiste pour revivre, celui de... Je ne sais plus son nom, je ne sais plus du tout. Merde, enfin l'atout pour se réanimer, réanimation, voilà, spécialiste réanimation. Comme ça vous avez une chance de survivre, une petite chance, parce que tout le monde le sait, tout. Enfin, c'est un truc hyper simple à esquiver, mais il suffit que soyez deux joueurs, enfin tu perds ton duel, t'es avec ton pote, tu perds ton duel, tu meurs, t'es mort, c'est dommage, t'as perdu ta série, mais non, parce que si ton allié gagne son duel, tu peux revivre et du coup continuer ta série. Donc ça c'est plutôt cool, c'est plutôt bien fait. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que si t'as un duel tout seul, tu perds ton duel, quoi qu'il arrive le mec va te tuer. Hein, il va te tuer. Si t'es un homme mort. T'es un homme mort, si tu meurs, il te verra, t'es un homme mort. Donc c'est pas un truc vraiment cheaté, faut juste le savoir le contraire. Ouais, tout simplement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que les conseils que je vous aurai partagés vous aidera. Pour le jeu, je sais que la bêta est finie, je sais que voilà, mais vraiment, je voulais vous donner quelques conseils pour le démarrage de la bêta, du jeu carrément, vous donner mes avis, mais tout ce que j'ai pu apprendre sur cette bêta, et j'espère que ces conseils vous seront bien utiles. Donc voilà, je vous remets les liens dans la description de toute façon des anciennes vidéos classes parfaites pour ceux qui veulent vraiment faire des DNA, des classes parfaites et tout, tout est en bas, et je vous souhaite à tous une excellente soirée, une excellente journée, et on se dit à très vite. A très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les gars. Cette fois-ci, j'étais pas en 744, j'étais en série.